Bien-aimés, bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler une fois de plus avec vous de bénédiction. Et cette bénédiction vous apporte toujours de la richesse, de l'abondance, jamais des larmes. Donc aujourd'hui, je vais lire Deutéronome 28 au verset 12. La Bible dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup, ok? À beaucoup de nations. » Et tu n'emprunteras point. Tu es arrivé au niveau où tu as d'abord tellement que quand tu dis que tu vas prêter à quelqu'un, tu prêtes à une nation, à un pays. Vois ton argent à ce niveau. Vois ton abondance à ce niveau. Où tu restes, tu dis, on te dit que oh, le Nigeria est venu te demander un crédit de 5 milliards d'euros. Oh, le Cameroun est venu te demander un crédit. Voyez-vous avec cette capacité. Beaucoup de chrétiens se voient toujours comme de petites personnes, sans importance, toutes petites, comme ça là, alors que Dieu a prévu tellement de choses pour vous. Aujourd'hui, je prophétise sur toi l'augmentation. Je déclare que tes idées s'ouvrent. Je déclare que ta vision pour ton futur augmente encore plus. Et tu te vois comme quelqu'un qui va prêter à beaucoup de nations et qui n'empruntera jamais. Je déclare que tout endettement dans lequel tu te retrouves attaché depuis longtemps, tu en es libéré à cet instant que tu m'écoutes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Merci.